Un homme sourd et muet est conduit à Jésus et celui-ci emmène l'infirme à l'écart, met ses doigts dans les oreilles du sourd et avec sa salive touche la langue du muet. Puis, levant les yeux au ciel, il murmure dans un soupir, « Ephphatha, ouvre-toi !» Ce matin, nous nous préparons à entendre de nombreuses paroles, des chants, des lectures, des prières. Une seule chose est nécessaire à entendre. Ephphatha, ouvre-toi. Cette parole est une prière pour nous au début de ce culte. Ephphatha, que nos oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu, que notre regard s'ouvre à la présence de Dieu. Que notre esprit s'ouvre à l'intelligence de Dieu, que notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Ephphatha, ouvre-toi. Et je vous invite à partager cette invocation en dialoguant le répond que vous trouvez au numéro 180 du psautier. Seigneur, ouvre nos lèvres. Nous t'invoquons car tu nous exauces, ô Dieu. À toi, Seigneur, nous élevons nos cœurs. En toi, Seigneur, nous mettons notre confiance. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin, pour recevoir de lui la force, la paix et l'espérance dont nous avons tant besoin chaque jour. Bienvenue, oui, à chacune et chacun d'entre vous pour notre culte du matin de ce dimanche. Bienvenue à nos fidèles paroissiens et paroissiennes et bienvenue à vous qui êtes ici peut-être en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Et une bienvenue aussi et un grand merci d'ores et déjà à David Gassman et à son ensemble Cantoria qui, avec Tigrane, contribueront musicalement à la célébration de notre culte. Bienvenue à vous. Je vous invite à entrer dans la louange, dans la prière. Et quoi de mieux que de nous recueillir avec les psaumes, le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à la bouche. Je suis fier du Seigneur, que les humbles se réjouissent en m'écoutant. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux et leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a appelé, le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme dont il est le refuge. Craignez le Seigneur, vous qui l'a consacré, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions connaissent le besoin et la faim, mais rien ne manque à ceux qui cherchent le Seigneur. Amen. Et je vous invite à prolonger cette louange par le chant avec un cantique de Pâques, le numéro 319.
Seigneur, ce matin, nous voulons te louer et t'adorer, non pas parce que tu serais notre Dieu, comme si nous te possédions. Tu ne nous appartiens pas. Toi qui es le principe de toute vie et de toute liberté, nous ne te louons pas parce que tu es notre Dieu, mais simplement parce que nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons, nous sommes à toi, nous sommes tes enfants. Et nous voulons te rendre grâce d'être le Père que tu es, exigeant mais juste, attentif et plein d'amour. Tu nous as donné un nom à notre baptême et désormais tu nous appelles chaque jour par notre nom. Tu as gravé notre nom dans ton cœur. Aide-nous à graver le tien dans le nôtre. Se reconnaître comme tes enfants, te savoir si proche de nous ne limite pas notre liberté, bien au contraire, en te sachant à nos côtés, nous nous sentons plus libres pour vivre et aimer. Mais Seigneur, tant d'amour de ta part m'étonne et me fait parfois balbutier. Durant la semaine écoulée, certainement que nous ne t'avons pas aimé comme nous aurions pu, nous avons négligé notre foi, nous ne t'avons pas toujours fait la place qui te revient dans notre vie. Alors ce matin, même si nous ne l'avons pas toujours fait avec la sincérité et l'ardeur nécessaires, nous voulons t'adorer de tout notre cœur et te consacrer notre vie. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et de pardon, et qu'ainsi, malgré nos fautes et nos défauts, notre inconstance et notre faiblesse, tu nous aides, tu nous aimes, tu nous fortifies, tu nous écoutes, tu nous accompagnes et tu nous acceptes comme tes enfants. Par le pardon que tu nous offres, donne-nous, Seigneur, la joie de pouvoir tout simplement continuer à t'appeler notre Père. Faisons un instant silence devant Dieu. Le Seigneur nous connaît, il te connaît. N'ayons pas de crainte, car il nous aime comme nous sommes et nous pardonne. Amen. Je vous invite à chanter notre reconnaissance et notre foi en prenant le cantique qui se trouve sur votre feuillet, « Croire à tes promesses ». Je vous invite à la prière pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu.
Prions. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. La première lecture est tirée du livre des Rois, du premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 à 12. À Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon la nuit dans un rêve. Dieu lui dit : Demande, que puis-je te donner ? Salomon répondit : Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture de cœur à ton égard, et tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père. Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme, et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui, en effet, serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit : Puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace. La seconde lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 15. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les emmène dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger. Bien plus, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. Jésus reprit : en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne se présente
que pour voler, pour tuer et pour perdre. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon père me connaît et que je connais mon père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. Amen. Magnificat, alleluia, gloria, domino.
Visiblement, les dictateurs semblent à la mode, et pas seulement dans des contrées lointaines où ils parviennent au pouvoir par la force à la suite d'un coup d'État militaire. Certains peuples semblent prêts aujourd'hui, de manière sinon consciente, du moins volontaire, à laisser le pouvoir à des dictateurs ou des autocrates qui finissent par menacer leur liberté et les privent de leurs droits fondamentaux. C'est assez effrayant de voir, par exemple, les États-Unis laisser les commandes ou risquer de laisser les commandes à nouveau de ce grand pays à un homme aussi vulgaire, inculte et si peu respectueux des lois les plus élémentaires. Mais c'est aussi vrai en Inde, en Turquie, en Hongrie, en Slovaquie, en Argentine, dans tant de pays. C'est assez incompréhensible, sinon par la peur que ressentent de nombreuses personnes devant l'incertitude du temps présent. Ce monde, il est vrai, est assez inquiétant. Et certaines valeurs sur lesquelles on a construit cette société semblent aujourd'hui s'effriter. Survient alors presque naturellement ce réflexe de vouloir s'accrocher à des discours souvent simplistes, à des hommes qui apparaissent comme forts et providentiels, qui promettent de redonner grandeur et assurance au pays. Le problème, c'est que ce n'est le plus souvent qu'un leurre. Ils sont peu nombreux, les leaders politiques, comme Nelson Mandela, à avoir ce vrai charisme, cette force, cette vision, cette intelligence de rechercher avant tout le bien du peuple. Nombreux sont en effet ces autocrates qui ne cherchent finalement que leur propre intérêt ou ceux de leur clan. Ce qui est inquiétant, c'est que nous semblons avoir perdu le sens même de ce qui fait le cœur de la vie en société, à savoir avoir un projet commun, une vision commune. Le sociologue Armut Rosa, dans son petit livre « Pourquoi la démocratie a besoin de la religion », qui a inspiré ce message, énonce la thèse suivante. Pour les générations précédentes, il semblait évident que nous allions toujours vers une forme d'amélioration des conditions de vie. De génération en génération, les droits et les possibilités augmentaient, le confort, la sécurité, la santé, les loisirs avec. Mais on se rend compte désormais des limites de cette manière de vivre et de penser notre rapport au monde. Nous sommes dans une impasse parce que désormais les sacrifices occasionnés par cette recherche de croissance, de productivité, d'innovation ne visent plus à améliorer la situation et offrir à nos enfants un monde meilleur, mais au mieux pour maintenir un status quo. Nos dirigeants cherchent avant tout à garantir une forme de croissance économique, et d'un certain point de vue, ils ont raison, car dépendent de la santé économique aussi des possibilités de garantir un certain niveau de vie, de prestations sociales ou culturelles. Mais cela nous pousse à devoir aller toujours plus vite, nécessite toujours plus d'énergie pour ne serait-ce que maintenir l'existant. Et cela engendre systématiquement une forme agressive de rapport au monde. Et on le voit très concrètement avec le nombre de personnes qui aujourd'hui semblent épuisées et ne plus avoir l'énergie pour aller de l'avant, toutes générations confondues. Et on le voit aussi et ô combien avec le monde dont les ressources s'épuisent dangereusement.
et inexorablement. Tout cela pour dire qu'il est urgent de chercher d'autres formes de relation à la vie, à l'univers, à l'autre, à la nature. Et qu'en ce sens, la religion et l'évangile du Christ peuvent être source d'inspiration, notamment dans l'image du guide, du berger qu'il propose. Il est vrai que la démocratie, si comme le disait Churchill, est un mauvais système, elle reste le moins mauvais de tous les systèmes, et en ce sens mérite toute notre attention, et surtout, elle a besoin de leaders qui ne cherchent pas d'abord à garantir leur intérêt, mais cherchent avant toute chose à faire le bien du plus grand nombre et à protéger en particulier les plus faibles. Et cela, et c'est pourquoi la démocratie doit pouvoir compter sur des personnalités qui savent écouter. Elle exige des voix, des oreilles, des cœurs qui écoutent. La figure du roi Salomon est en ce sens exemplaire. Alors que le Seigneur lui promet de choisir tout ce qu'il veut, lui propose le monde à ses pieds, le roi Salomon choisit de demander un cœur qui sait écouter. Puissent nos dirigeants et nos dirigeantes s'inspirer de cette profonde sagesse, savoir écouter, et pas seulement, comme le disent souvent les populistes, écouter le peuple, mais s'arrêter pour écouter, écouter plus profondément et se laisser appeler, interpeller. Hartmut Rosa peut, avec l'allemand, subtilement jouer sur les mots lorsqu'il encourage nos leaders à aufhören, ce qui se traduit par arrêter, s'arrêter, mais qui comprend dans son mot même le terme hören, qui veut dire écouter. À la fois s'arrêter, arrêter de courir toujours plus vite, comme la toupie qui ne tient son salut qu'au mouvement qui la tient debout, à la fois s'arrêter, mais aussi tendre l'oreille pour écouter. Et je me permets de citer Rosa. Pendant que je suis en train de traiter ma liste des tâches et que je m'épuise dans l'immobilité fulgurante comme un hamster dans sa roue, je dresse l'oreille et j'écoute ce qui vient de l'extérieur. Je me laisse appeler et atteindre par quelque chose d'autre, par une voix qui dit autre chose que ce qui est écrit sur ma liste des tâches prévisibles et toujours dans un rapport fonctionnel aux autres et aux choses. Oui, prendre le temps d'écouter. Cela devient urgent et nécessaire. Le mois dernier, nous étions de nouveau en retraite avec un groupe de jeunes au Carmel de la Paix à Mazille. Les jeunes qui ont découvert ce lieu ont tous exprimé à la fin du séjour le bien que cela leur avait fait de prendre du temps simplement pour eux dans le silence. C'est vraiment ce dont nous avons besoin actuellement, tant pour notre vie personnelle que pour le bien vivre ensemble, avoir des cœurs qui prennent le temps d'écouter. C'est que nous avons en tant que communauté chrétienne un rôle, je le crois, tout particulier à jouer, en proposant précisément des espaces et des moments qui permettent de nous arrêter pour écouter. S'il est important, par exemple, de se battre pour maintenir au dimanche un statut particulier dans notre société, ce n'est pas tant par tradition chrétienne ou pour forcer le plus grand nombre à se plier aux diktats de l'Église, mais parce qu'il est important pour tous, croyants ou non-croyants, d'avoir dans la semaine au moins un jour qui soit différent, qui casse le rythme ordinaire du travail et de la consommation.
La figure du berger proposée par le Christ dans la suite de Salomon est particulièrement subtile dans l'attention qu'il entend, on peut là encore jouer sur les mots, qu'il entend porter aux autres. Le Christ, comme un leader qui conduit et prend soin de son troupeau, allant jusqu'à se dessaisir de sa vie pour lui. Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, insiste beaucoup sur la responsabilité particulière donnée aux politiques d'être au service du bien commun. Une tâche politique extrêmement importante et dissociée du religieux, mais qui doit savoir prendre le temps d'écouter et de regarder au-delà de ses propres intérêts. J'entretiens aussi des relations profondes avec un autre couvent dans le sud de la France, des sœurs qui célèbrent leurs offices en grégorien et en latin. Ce n'est clairement pas notre habitude ou notre tasse de thé, mais je respecte profondément leur volonté de maintenir une tradition. Non pas de manière sclérosée ou prisonnière du passé, mais une tradition qui nous oblige à concevoir un autre rapport au temps. Et c'est peut-être une des forces de nos églises, dans nos traditions respectives, que le calendrier liturgique ne soit qu'un éternel recommencement. Chaque année, c'est la même chose. Il y a Noël, il y a Pâques, l'Ascension et Pentecôte. Et tout l'intérêt est peut-être là, dans cette permanence qui ne voit pas d'abord dans le temps qui passe une ressource économique, mais un lieu de rencontre possible, d'écoute fructueuse. Nous devons, comme témoins de l'Évangile, offrir des occasions d'arrêt dans le rythme effréné de nos existences, car qui ne s'arrête pas ne peut pas être en condition d'écoute. L'écoute est déterminante si nous croyons vivre dans un monde qui n'est pas que le fruit du hasard et ne repose pas simplement sur un mécanisme froid, mais qui est compris d'abord comme ce cadeau offert par Dieu à l'humanité. Un Dieu qui depuis toujours et en son sein même, déjà avec la Trinité, ne peut vivre que s'il entre en relation. Un Dieu qui ne cesse d'appeler des prophètes des temps anciens à nos jours. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite à travers les paroles du prophète Ésaïe. Il y a dans cette promesse l'assurance que quelqu'un nous entend, que quelqu'un s'intéresse à nous, s'adresse à nous. Certes, notre société n'est plus d'abord une société essentiellement mue par les valeurs et les traditions chrétiennes. Mais il reste de notre responsabilité, en tant que chrétien, de rappeler qu'un autre rapport au temps et au monde est possible. Un rapport d'abord basé sur l'écoute de l'autre avec un grand A, de l'autre avec un petit a. Et en ce sens, nous disposons d'un réservoir d'idées, d'un arsenal de rituels avec des chants, des gestes, des traditions qui permettent de se sentir et de donner sens à ce que veut dire être appelé. Nous avons cette responsabilité de vivre déjà nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que communauté confessante de cette promesse. Mais nous avons aussi cette mission de rappeler au monde que la fuite en avant, que la confiance aveugle dans des leaders aux promesses douteuses, que la recherche du toujours plus n'est pas une voie porteuse d'avenir. Paradoxalement, seul un arrêt, seul le fait de prendre le temps d'écouter nous donnera la possibilité de poursuivre sereinement notre route dans la confiance. Comme le disait encore Ésaïe, c'est dans le calme
et la confiance que sera votre force. Amen. Prions. L'être humain n'est pas seul. Il vit dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus, vrai homme, pour apporter la réconciliation et le renouveau qui œuvre en nous par son Esprit. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à être son Église pour célébrer sa présence, pour aimer et pour servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal. Nous proclamons son royaume dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous, nous ne sommes pas seuls.
Nous croyons en Dieu. Amen. Nous prions. Notre joie est de te louer, Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, car en lui nos cœurs sont illuminés. Nous attendions un surhomme, tu nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef, tu nous as donné un frère. Nous attendions un justifié, tu nous as donné une victime. Nous étions la proie de la haine, et voici l'amour. De la peur, et voici la joie. De la nuit, et voici la lumière. Nos sages sont allés à toi avec leurs richesses, et c'est toi qui les as comblés. Nos puissants sont allés à toi avec leurs superbes, et c'est toi qu'ils ont adoré. À leur suite, avec l'Église universelle, avec les puissants du ciel et de la terre, avec le peuple des sages et des humbles, nous chantons ta sainteté. Amen. En restant assis, je vous invite à prendre le Sanctus au numéro 129. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude, pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Ô Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la joie que nous avons et la liberté que nous avons de pouvoir te louer, de célébrer. Nous voulons te prier pour toutes nos communautés sœurs qui vivent une période d'angoisse, de guerre, de désolation, de souffrance, d'injustice, d'oppression. Ils sont nombreux, ces peuples, qui doivent affronter des périodes troublées. Ce matin, nous aimerions te remettre tout particulièrement notre communauté amis et sœurs à Goma, en République démocratique du Congo, avec lequel nous avons des liens étroits et qui vivent une situation vraiment dramatique. Mais nous pensons aussi à toutes ces communautés, à tous ces pays victimes de violences ou de guerres, en Syrie, en Ukraine, dans tant de pays. Seigneur, nous voulons te prier pour les dirigeants politiques, puissent-ils, à l'image de Salomon, recevoir un cœur qui sait écouter et suscite partout et encore des artisans et des artisanes de paix. Et nous te prions pour tous ceux qui sont à bout de force dans ce monde parfois si difficile, où il est tellement ardu de garder le rythme, de trouver le sens. Nous te prions pour tous ces jeunes qui rament, qui peinent, qui sont déprimés parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans ce monde. Enfin, nous te prions pour ceux que nous aimons, qui sont si chers à notre cœur et pour lesquels nous te demandons ta bénédiction.
Nous te prions aussi pour les jeunes de notre paroisse qui se préparent au baptême et à la confirmation d'ici quelques jours. Accompagne-les et bénis-les. Toutes nos prières, enfin, Seigneur, nous les réunissons dans celles que tu nous as enseignées et que nous te disons d'un même cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons bientôt au terme de cette célébration du matin. Ce soir, il y aura aussi à 20h30 le culte avec Sainte-Seine à la chapelle. Quelques informations pour vous dire évidemment que vous êtes toutes et tous attendus pour l'après-culte que Daniel a gentiment préparé et qui sera servi dans le foyer. C'est un bon moment de partager ce temps de célébration par ce moment de convivialité. Pas mal d'activités, de rendez-vous dans les jours et semaines qui viennent. Mardi, le séminaire de mon collègue Vincent à midi. Mercredi, le café contact. L'éveil à la foi également mercredi. Et puis, dimanche prochain, le culte sera célébré à Malagnou par Vincent Schmitt. Et puis, d'ores et déjà, souvenez-vous que le 5 mai, également à Malagnou, dans 15 jours, il y aura donc l'Assemblée Générale, avec notamment l'élection du nouveau conseil de paroisse. Une petite feuille est du reste à la sortie à votre disposition si vous voulez voir la tête de tous ceux et celles qui, avec... enthousiasme se présente pour cette élection. Donc, n'oubliez pas ce rendez-vous du 5 mai. Petite annonce aussi, on est allé avec Gabriel voir avant-hier soir le en avant-première, la générale d'un spectacle qui est donné au temple de Jussy, qui s'appelle Brûle sorcière, qui aura lieu la semaine prochaine, samedi et dimanche, où vous retrouvez notamment ma collègue Vanessa Trub, mais aussi notre animatrice musicale Viviane Uriot. Et franchement, c'est sympa et très bien fait. Donc si jamais samedi et dimanche vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle, n'hésitez pas, c'est vraiment bien fait. Voilà, nous allons célébrer maintenant encore le Seigneur par le chant avec le cantique 408. C'est à cette occasion que l'offrande va être recueillie. Je vous invite à donner avec générosité.
merci à David Gassman et à son chœur ensemble vocal Cantoria pour votre présence avec nous ce matin. Que chantent en vous les éclatants Alléluia de Pâques. Que le Christ surgit de la mort vous ouvre la porte de son lumineux royaume. Que l'espérance du ressuscité brille au plus noir des nuits de vos peurs et que la musique de Pâques pour toujours déchire les ténèbres de vos angoisses. Que danse en vous la joie de Pâques et qu'elle vous donne la force de franchir les abîmes. Et que le Christ ressuscité vous tienne debout, ferme et confiant au long des jours. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Et que la bénédiction de Dieu nous donne véritablement des cœurs qui écoutent. Amen. See you.